Hello les gens, aujourd'hui toute nouvelle vidéo et aujourd'hui cette vidéo on va faire une vidéo très spéciale car aujourd'hui on va découvrir la nouvelle mise à jour, le nouvel angle lunaire que l'on peut voir à gauche, donc voici voilà Valo. Donc du coup on va aller découvrir cette mise à jour, donc c'est parti. Donc on va bien sûr se munir de notre petite étoile, notre petite adorée en fait, c'est la meilleure en fait, donc voilà. Bref, par contre il fait nuit, donc du coup la mise à jour commence le journée, donc du coup on va attendre le jour, donc c'est parti. C'est bon, il fait jour, donc on va aller directement se diriger vers la première mise à jour du nouvel enchaîneur, le premier mini-jeu. Donc ça consiste ici, tout autour de la map il y a ça, donc il y en a 6 à ramasser, les libérer, les servants. Quand vous cliquez dessus, c'est écrit 1 servant sur 6 dans les airs, plus 150 wak. Quoi. Oh bref, je sais pas comment prononcer mais vous avez compris ce que je veux dire. Il y en a partout sur la map, donc c'est parti pour vous montrer où sont-ils. Le deuxième se trouve devant la nouvelle pool party. Le troisième juste devant la nursery en plein milieu de la carte. Le troisième se trouve juste à côté du pont de San Francisco. Le cinquième à côté du pont qui sert strictement à rien du tout. Et pour finir, le sixième se trouve juste à côté de la pizzeria. Maintenant que je vous ai présenté tout ceci, tout cela, on va se diriger directement vers la mise à jour, la principale, parce que ça c'était juste pour avoir des petits waga. Bref, vous avez compris. En plus, j'avais gagné 2050, donc du coup, voilà. Waouh, regardez comme il est beau cet endroit, regardez comme il est beau. Waouh, 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 ça donne trop envie de rentrer. Non mais, j'ai trop hâte. Allez, let's go, on va rentrer dedans. Ah bah j'ai même pas eu le temps, 1, 2, 3 soleil va commencer à se téléporter sur place. Alors non, on va pas se téléporter parce que je suis directement là, on peut voir que waouh. Par contre ils ont fait un travail mais hallucinant, il est magnifique le décor, regardez waouh la beauté du truc. Bref, il reste 30 secondes, bon voilà on s'en fiche un petit peu. Donc bon, je vous présente vite fait hein, avec le beau petit dragon là, il s'appelle comment le dragon céleste, waouh. Bon, Arobux, 1000 Robux, non merci en fait, on va pas l'acheter en plus. Donc bon, je vais vous présenter les boîtes vite fait, donc 21 000, voilà, 4000. Et les jouets, bon ça on s'en fiche, voilà. Et là une boîte, donc bon vous achetez pour 1050 becs. Et quand vous le tradez, et la personne gagne 1000 pets. Bref, du coup on va attendre que le milieu se lance. Donc c'est parti. Allez, let's go. Donc le but du jeu est très simple. Vous avez des bols par terre, vous devez les ramener. Et ne bouge pas lorsque les statues te regardent. Donc c'est parti, je vais faire ça en accéléré parce que ça va être beaucoup trop long. Et bien sûr ramasser les bols en or parce que ça rapporte beaucoup plus. Let's go, j'ai gagné 3200 yakwa, voilà, walibalou. Bref, bon, on va l'acheter une petite boîte, bien sûr. Donc, du coup, pour la première, 21 000, franchement, avec rare 24, ultra rare 68, et légendaire est 8%, franchement, ça va. Et la boîte normale, là où on peut tout avoir, 4000. Donc, on peut avoir common 39, une common 30, rare 20, ultra rare 10, et légendaire 1, waouh. Bon, par contre, là, ce qui est un peu déçu, c'est que tout est regroupé dans la même boîte. Franchement, je suis déçu, franchement, c'est trop bien ce qu'ils ont fait. Hein. En plus, vous avez beaucoup moins de chances d'avoir les légendaires. Enfin, bref. En plus, faut savoir que j'ai réussi à avoir tout, sauf les deux légendaires que vous pouvez voir tout en bas. Donc, c'est le véhicule et le dragon, voilà. Donc, c'est les deux seuls que j'ai pas eu, hein, les deux seuls légendaires. Donc, du coup, voilà. Bref, on va ouvrir une petite boîte, vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc, c'est parti, qu'est-ce que j'ai à voir. La soupe en finale qu'on a ramassé, un super bon. Et j'ai vraiment pas de chance. Je vais vous montrer les pets que du coup j'ai réussi à avoir. Le premier pet, si je le trouve, c'est un petit lapinou, le petit lapin Théoko ou Théok. Oh bref, je sais pas comment ça se prononce. Hein. Et le deuxième, c'est un cap. Non, je raconte de la merde. Et donc, je galère à le trouver. Ah, il est là. Donc, ça s'appelle comment déjà? La tortue cornue. Ok. Et aussi ultra rock. C'est la fin de cette petite mise à jour. Voilà, Valivalo. J'espère que vous avez aimé découvrir cette mise à jour nouvel an lunaire qui est très très intéressant. Je suis quand même déçu de ce qu'ils ont fait. Hein. Franchement, ils ont vraiment pas fait de tech fort. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo, donc n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Allez, salut!